Alors, bienvenue au Tac Tac 2020, version virtuelle, version actuelle. Et puis, aujourd'hui, on a comme invité M. Jean Péronnet, une entrevue qu'on a fait quelques semaines passées dans les rues de Moncton. Alors, j'étais avec Jean Péronnet, le concepteur, le créateur de Pépère Goguette. C'est joli à colorier, mais... c'est pas bon à manger. Manœuvrer. Hein. Tu vois, belle shot. Jean Péronnet, c'est chaud. Avec ses chants. Entre le bien et le mal. Avec une corniche. Ben justement, justement. Corniche en bois. Ben justement, on veut parler à l'émission un petit peu d'urbanisme à la ville, dans Moncton. So, on va en revenir. Oui, avec des émissions spéciales justement sur l'urbanisme. La Maison Jaune. À Moncton. La Maison Jaune de Marie-Thérèse. Ouais. Ah oui. Qui est là, qui se dresse pour protester contre ce beau quartier qui a été rasé. Oui, c'est une réalité aujourd'hui à Moncton. Je pense que nos vieilles maisons à Moncton sont en train de tomber comme les arbres à Dieppe. Vas-y, plus de vigueur. Dernier coup, recule. Recule, bien nerveux et allez, tu charges. Non, et d'un coup. La maison d'Hélène Paulin, pour nommer personne. Chaque année, je lui mets une carte de Noël dans sa boîte aux lettres. Ah oui. Et ce matin-là, quand j'ai voulu mettre ma carte dans sa boîte aux lettres, il n'y avait plus de boîte aux lettres, il n'y avait plus de maison, plus rien. Dans la matinée, l'immeuble avait disparu. Puis en arrière, il y avait le 110 Weldon. On a eu beaucoup d'amis qui habitaient là. Gérald Leblanc, André Philippe, Angèle Bertin, Marquet, tout le monde habitait ici. Et voilà, c'est démoli. Et oui, voilà. Moncton où tout a changé et rien n'a changé. Hein, là. Parce que Jean Péronnet, qui est le concepteur et le créateur de Pépère Goguin. Je crois que c'est le métier. Ça tient bien. Eh bien, Jean, c'est arrivé ici à Moncton en 1967. Alors, on peut imaginer que la ville ne ressemble pas à ce qu'on... Ah ben, j'ai été tout de suite plein d'admiration pour les maisons en bois. Oui, nos maisons étaient en bois, les arbres, il y avait beaucoup d'arbres dans les ormes. Rues. Les ormes étaient très présents dans la ville. Oui, oui, l'orme. Qu'on voit encore à la campagne. Oui. Chaque ferme avait un orme majestueux. Puis aujourd'hui, puis on pouvait les voir sur la rue Saint-Georges, sur la rue Archibald, par ici. Sont malades, hein. C'est une maladie. Oui, on peut comprendre que parfois nos arbres peuvent être malades, mais c'est pas une raison pour ne pas en planter d'autres. Oui. Par Saint-Hubert, des chanterelles, tout un nid de chanterelles. Oh, oh, oh. J'aimerais beaucoup de voir des pins blancs, et justement des arbres qui reste vert, même en hiver. Oui, la verdure dans la ville, c'est très important. À Moncton, aujourd'hui, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. On peut vacuumer une église, on peut détruire un landscape, on peut détruire l'environnement, et puis
pour construire souvent des je crois que les bâtiments. Je crois que les gens sont trop habitués. Regardez cette maison bleue là. Elle est très belle. Cette maison bleue là, c'est la maison classique de Moncton. Oui. Eh bien, il faut bien la regarder parce que c'est tout ça est en voie de disparition. Du crottin de chevreuil. Mais pourquoi c'est les gens qui ont des vieilles maisons, s'ils les rénovent, s'ils les entretiennent, n'ont pas un crédit ou, oui, il faudrait être aidé. Mais c'est pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Les seuls gens qui aident, c'est si tu es dans le North End et tu veux construire un strip mall. Toi qui donnais une conférence et moi qui donnais une performance. Je me retrouve au Storm sur la Mapleton. Des musiciens plient bagages. C'est local, c'est intéressant. Une ligne de bass joue à la radio. Le bassiste embarque derrière. On a tout transformé. Même nos vintage strip malls sont devenus des strip malls. Dans le quartier des sonnettes brisées, dans le quartier des déportés, in the gentle ghetto, dans cette ville que j'aime, dans cette ville où tout a changé et rien n'a changé. Norm the Jammer est toujours dans les bars où elle s'est enrichie. Norm the Jammer. Dans cette ville où nos vieilles maisons tombent comme les arbres à Dieppe. Dans cette ville où j'écris, dans cette ville où je vis. Je me rappelle du poète qui a dit un jour, open the gate in this city with no direction. Open the gate in this city with no one way. Dicton de Chabal, c'était un humoriste français. L'espace craint l'architecte.